Alexandre Thomas, les jardins agapantes à Grigneuxville. J'ai commencé très jeune, tout seul, à apprendre les plantes, à aller aux premières ventes de plantes, regarder un peu dans les livres et surtout jardiner. C'est d'abord l'essentiel. Et c'est bien après que j'ai visité des jardins en Angleterre, etc. Et c'est bien après que je suis devenu architecte de jardin. Mais au départ, c'est la passion des plantes et la passion du jardinage. Ce jardin, en fait, je l'ai commencé avec maman au départ, et puis c'est moi qui ai mis donc mes parents au jardin et pas le contraire. Au départ, c'était un tout petit jardin, enfin tout petit, 2500 m² que j'ai agrandi, encore agrandi. Donc on est passé à 6000 m² de jardin, mais sans gazon. Donc un travail énorme, puisque d'un terrain totalement plat, il y a plus de 5 mètres de différence de niveau à certains endroits. Et comme si ça ne suffisait pas, en 2006, j'ai pu acquérir la maison des voisins et de recommencer donc un deuxième jardin qui devait être différent du premier, tout en étant qui correspond quand même à mes goûts, puisque je vis également dans ce deuxième jardin. Et surtout ici, j'ai pas voulu donc avoir qu'une collection de plantes, mais j'ai voulu donc modeler le terrain. Donc ça, c'est la suite bien sûr des études d'architecte de jardin. Au départ, c'était un champ et très vite, c'est devenu un jardin de 50 ans avec des plantes remarquables, chinées un peu comme un antiquaire un peu partout dans ce monde. La première idée importante, en fait, au départ, c'était, comme ce jardin n'était pas très grand, que c'était un couloir, c'était de créer une sorte de labyrinthe pour voir le maximum d'ambiance, pour faire un cheminement le plus long possible et découvrir en permanence des plantes, des objets, enfin animer ce jardin. Donc d'un terrain plat, j'ai aussi changé complètement les reliefs pour créer de l'animation. Donc ça n'a pas été la plante qui a été le plus important pour moi, c'était la promenade, la découverte de lieux. Après, j'ai eu la chance d'agrandir. Donc quand j'ai agrandi, j'ai encore un peu plus déliré dans les travaux de terrassement, les trous, les bosses. Et toutes ces bosses font mettre aussi en plus en valeur les gros arbres. Et toujours pas de gazon, parce que je trouve que le jardin n'est pas assez grand ici pour prendre de la place avec de l'herbe. Donc j'ai préféré mettre plus de végétaux et créer beaucoup plus d'ambiance. Agapanthes, c'est quand même un jardin très structuré, mais le fouillis, le savant mélange fait disparaître la structure très forte. Il y a des taupières mélangées avec des bambous, il y a des palmiers avec des buis. On ne peut pas lui donner un. On peut pas le ranger dans un style de jardin. Un jardin, en fait, c'est un décor. Ça doit être beau toute l'année, mais surtout, ce qui est très important, c'est aussi les arbres. On a tendance à oublier les arbres. Et à Agapanthes, il y a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup de gros spécimens de conifères et donc il n'y a pas simplement les fleurs, mais aussi une grosse présence de végétaux remarquables par leur forme, donc des pins en nuages, ou des Cryptomeria globosa, donc des gros conifères globuleux, beaucoup de pins, beaucoup de séquoias, enfin beaucoup de cèdres, et tout ça est bien sûr régulièrement taillé. Donc ne pas négliger les arbres, ne pas négliger le décor, donc les terrasses, le mobilier de jardin, les poteries, les grilles, les points d'eau. Au départ, il n'y avait absolument pas d'eau, et maintenant vous avez une rivière, vous avez les carpes, vous avez les poules, vous avez les canards. Enfin, un jardin, ça doit être animé. Pas simplement des végétaux de collection, c'est pas ce qui m'intéresse, même s'il y a une énorme collection de végétaux agapantes, mais c'est d'abord les ambiances et le fait que ça soit un jardin vivant. Donc je vis dans mon jardin, et ce qui est très important pour moi, c'est que les gens qui viennent le visiter se sentent aussi un peu chez eux. C'est pour ça qu'il y a des bancs partout, des chaises partout, et ça permet de profiter de son jardin dès qu'on peut. On mange dehors si le temps le permet, ou tout simplement le fait d'aller désherber dans son jardin, c'est un vrai plaisir. Donc on fait partager également ce plaisir aux visiteurs. Les gens se sentent vraiment chez eux quand ils se promènent dans le jardin, surtout les personnes âgées en plus apprécient de pouvoir s'asseoir régulièrement un petit peu partout dans ce grand dédale de chemin. Pour moi, c'est important d'aller vite, on va pas regarder un arbre pousser pendant 40 ans, c'est fini, on ne fait plus les jardins pour les petits-enfants, on a envie d'un résultat immédiat. Et pour moi, de voir des boutures, enfin des choses toutes petites, je crois que ça me déprimerait. Et mon métier, c'est de voir en permanence des beaux arbres, donc forcément, j'ai envie de mettre des beaux arbres. Et si je vais dans une pépinière où je vois un très beau spécimen, je fais 50 fois le tour du jardin pour me dire où est-ce que j'ai encore une place, est-ce que je ne peux pas modifier, est-ce qu'il n'y a pas un endroit du jardin qui est devenu faible ou pas assez intéressant, enfin, pour toujours l'améliorer. C'est pas un jardin. C'est pas un jardin terminé, Agapanthes, ça ne sera jamais terminé. Je vais essayer en permanence de l'améliorer ou de remplacer certaines choses.
Et c'est un métier de passion. Hein, donc la passion, c'est de jardiner, c'est de voir la floraison des bulbes, c'est de tout en permanence d'être émerveillé par des nouvelles variétés, c'est de faire aussi le jardin, de le construire, d'avoir des nouvelles idées. Enfin voilà, c'est une passion. Ça va du jardinage à la plantation du gros spécimen. Je suis boulimique de plantes. Et de petites et de gros sujets. Donc heureusement que j'ai beaucoup de projets un peu partout.